Le bon petit manque José les par ici, hein. Les doux, 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 les doux. La mangue a besoin d'une quantité d'eau vraiment très précise. Si on dépasse ce seuil d'eau, donc par exemple dans l'Est, on a un gros coup de pluie, la mangue va grossir trop vite et va éclater. Donc, alors que si on contrôle l'eau qu'on va donner au manguier, bah la mangue va grossir petit à petit et donner ce qu'il faut. La mangue José, il ne faut pas le louper. Si vous venez à La Réunion, c'est la meilleure mangue au monde. Les mangues lisses, les mangues carottes. Historiquement, la mangue José, c'est la mangue des Réunionnais. C'est la mangue que tous les Réunionnais connaissent. Et je dirais la première mangue commercialisée réellement à La Réunion. Donc c'est la mangue la plus plantée et du coup oui c'est ce qui permet de faire le gros chiffre d'affaires.